Au gouvernement, nous traitons le 17+1 et l'initiative Ceinture et Route du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, comme l'une de nos priorités clés. Alors nous nous préparons toujours vraiment, vraiment bien. Nous travaillons toute l'année pour préparer des projets pour le sommet lui-même afin de pouvoir signer des accords et poursuivre la mise en œuvre de ces projets. C'est pourquoi je pense que nous sommes le pays avec le plus grand nombre de projets.